Qui a dit que ces bouquins servaient à rien? Attendez. Bethany. Arrête de pleurer, maman. Concentré.
Et voilà. Putain ! Putain ! C'est vrai n'importe quoi ! C'est du faux. Simplement. Que du faux, bordel. Fait de mal à personne.
Laissez-les tranquilles. On fera tout ce que vous voudrez. Entre vite! Oh, la vache! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un miroir sans teint. La planque rêvée du parfait pervers. Dumet nous observe et il se balade derrière les murs. T'as pas vu Marc? Non. Mais j'ai vu Dumet. Il rôde dans le coin. Quoi, tous ces trucs ?
Il a des écrans de surveillance, des magnétos, une table de mixage pour des tas de micros. Il a des oreilles partout. Pire que ça. Il y a plusieurs circuits qui passent ici, hydrauliques, électriques, tout ce qu'on veut. Il peut contrôler tout l'hôtel grâce à ça. Jusqu'où ça va comme ça? Tout est connecté. C'est comme ça qu'il se déplace. Charlie dirait que ce type a une identité fracturée, qu'il porte un masque pour qu'une autre personnalité assume ses actes. C'est sans doute ce qu'il théorise, parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un être humain fasse ce genre de choses. Je crois que c'est une erreur de se contenter de dire qu'il est fou. Il contrôle totalement chacun de ses actes, mais son esprit ne fonctionne pas comme le nôtre. Et c'est pas fou, ça? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Le type qu'on a vu se faire tuer. C'était bidonné? Il n'y avait pas de gardien. Mais le type en ciré jaune qui portait nos affaires, on l'a bien vu? Je pense que c'était Monsieur Dumet. Être fou, c'est perdre le contrôle. Regarde ce qu'il a conçu. Il est hyper méthodique. Il n'est pas fou du tout. Non! Et le masque fait partie intégrante de sa mise en scène. Au pire, il peut avoir une forme d'anxiété et le masque lui donne de l'assurance. De l'anxiété? Du genre déficit d'estime de soi? Il est mal à l'aise en public? Sa mère lui a pas fait assez de câlins? Il nous suit à la trace depuis le début. On a perdu Marc dans le sous-sol. Le manque d'affection peut très bien être un facteur. Mais ça pourrait aussi être de la faute de son père. Ou d'un oncle. De n'importe quel adulte, en fait. Police de Chicago. Monsieur Mendez, c'est la police de Chicago. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Monsieur Mendez, je suis l'agent Stanley de la police de Chicago. Est-ce que vous m'entendez? Agent Mendez? Merde! Merde! Ah, ah. Centrale, ici l'agent Stanley. J'ai besoin d'aide. 8 Ouest 50e rue. Il me faut des renforts immédiats. Je suis dans l'appartement de l'agent Monday. Il y a du sang partout. Et un corps. J'ai besoin de renforts tout de suite, je crois. Je suis sûre que c'est son profil. Enfance malheureuse, colère enfouie. En tant qu'adulte, soit il est hyper surdoué, soit il est débile. C'est l'un ou l'autre. Et il aime être en position de force, particulièrement avec les femmes. D'accord, mais pourquoi? Beaucoup de gens traversent des galères, ça en fait pas des tueurs pour autant. En dehors d'une obsession malsaine pour Asha Holmes, il copie ses méthodes. Clairement, il a l'air de s'identifier à Holmes. On peut utiliser ça pour s'enfuir? On peut peut-être ouvrir les volets dans le hall? Thank you.
Par ici! Regarde ça. Les mécanismes, les parois mobiles et tout le bordel. Rien n'est réel dans ce trou à rats. Ils contrôlent tout depuis cette salle. C'est une usine à tuer. Exactement. On devrait s'en servir contre lui. D'accord. C'est quoi ton plan? Ok, bon. Il est là-dedans, d'accord? Alors, si on arrive à l'attirer dans ce couloir, on le piège entre ces deux parois mobiles. Il n'aura aucun moyen de sortir. Il sera coincé. Ok. Mais comment être sûr qu'il ira dans la direction qu'on veut? Il faudra que l'une d'entre nous serve d'appât. Non, pas question. C'est beaucoup trop risqué, Jamie. Le laisser courir aussi. Ce serait même encore plus dangereux. Allez! On n'aura pas droit à une deuxième chance. C'est mon plan. Je serai là-bas. Si t'es sûr. Bon. Si tu vois que ça tourne mal, tu te casses et vite. Je me ferai pas prier. Ça pourra te faire une arme en cas de besoin. Je préfère le garder. J'en aurai sûrement besoin. Ok. Je crois que ça suffira. Allons-y. Tu t'en tiens au plan? Évidemment. Comment est-ce qu'on sort? Le troisième étage doit être encore en travaux. Tiens-toi prête. Faut un timing parfait pour que ce soit lui qui soit piégé. Allez. Je tente le coup. Je longe le couloir, je reste à droite. C'était sur la carte? D'autres chambres en travaux.
merde! Un bouton. Avec un symbole inverse. À quoi il sert ? Non ! Bouge ! Bouge ! Partir vers moi, c'est ça? Ouais. Ce truc va me tuer si j'appuie pas. Non, 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 attends. Je sais. Si j'appuie dessus, c'est toi qui meurs. Oh, l'enfoiré de Dumette. C'est exactement ce qu'il veut. Il te force à choisir qui de nous deux va mourir. Désolée. Oh, je suis désolée. Désolée, j'ai pas le choix. Désolée. Tu vas pas mourir seule. Jamie, je veux pas mourir. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Pitié. Kate. Quelle terrible façon de mourir. Jamie a appuyé sur le bouton pour tuer Kate. Elle n'était certes pas toujours d'accord, mais je ne l'imaginais pas insensible à ce point. Jolie mélodie, non ? La petite comptine réconfortante d'Erin.
mais hélas, sans effet. Charlie, après avoir échappé à la fournaise, il est tombé tout droit dans les griffes de Dumet. L'indice que je vous ai donné a-t-il aidé? En voulez-vous un autre? Voyons si Sir Arthur peut nous aider. Cette citation provient de « L'homme à la lèvre tordue ». Jamais lu? Lisez-le. Un ami sûr est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Cette dernière partie pourrait m'être imputée. Vous devriez y retourner. J'espère que ces discussions sont utiles. Je ne veux surtout pas vous intimider. J'observerai vos progrès, comme toujours, et cela très attentivement.
Non.